Frère, mesdames et messieurs, de vous retrouver sur GKM Télévision. Beauté, Bissika, vous allez vraiment qu'on se retrouve dans la diaspora, ici en République démocratique du Congo. Merci pour la marque de confiance. Merci pour la disponibilité, Nabino, sur notre chaîne. Tomé Sana, qu'on le met là vraiment. République démocratique du Congo, notre très cher beau pays. Oyo, si moi qui m'en vais à la bino, je ne cesserai jamais. Ya Kolo Bela Yango, merci l'équipe technique, merci à mon frère Mbia Chako derrière la caméra. Merci d'abayon surtout beaucoup la Nabiso vraiment à ces moments. Partagez nos liens des émissions, partagez nos émissions des suggestions. Vos commentaires vont aussi contribuer à cet édifice pour mieux partager les informations. Donc, Torobé Tamasolo, gouvernement Touluka, qu'est-ce qui bloque jusqu'à ces moments ici? Nous allons parler de la révision constitutionnelle Emmanuel Chadari à Tombokaki et nous allons clôturer avec la question de la diplomatie. Dengue Tokomona, Makamboué Ali Kole Kalilo. Ma pays Moussoussou, ils allaient soutenir le Rwanda ici en Afrique, aussi longtemps que nous allions bah, membres dans la même communauté. Et parce qu'ils sont avec les Américains et les Américains, Oyo, ils allaient soutenir le Rwanda. Nous allons essayer un peu de parler et évoquer d'autres sujets dans notre émission à ce qui concerne aussi la diplomatie. Gouvernement Touluka, nous surtout Boyebi, très bien. C'est dans quelques heures, c'est dans quelques heures, c'est dans quelques heures. Et les jours passent, c'est dans quelques heures. Les jours passent, nous avons des priorités dans ce pays. Madame Touluka a été nommée Premier ministre par le président de la République. Il y a de cela un mois, Nandambu. Toujours qu'il y a deux mois, d'ici là, on a habité. Mon frère Chakoso qui s'est trompé. Et aujourd'hui, gouvernement Ezobi Makate, soi-disant, bah, membre et présidium, ces membres et présidium, bah, égoïste, bah, membre et présidium, oh, yolilo, bah, mémibiso na népotisme, bah, mémibiso na clientélisme, tout en violation de la constitution, bah, lingi part des lions. Bah, lingi part des lions, il y a des regroupements, il y a des mosaïques, il y a des choses, oh, yo. Ezali ko exige que Mbappé Sabango autant de ministères ba comme ça tel ministère na et comme à 20 PM ba comme ça boui pour leurs intérêts parce qu'ils ont besoin de la gloire. Et alors la population, cette population qui souffre aujourd'hui économiquement, cette population qui dehors allez c'est la République ba ko ki mabitumba, cette population sikoyoto population wana pe et qu'on bénéficie Nani dans tout ce que vous êtes en train de faire. Et vous comprenez ça sous son bon raison. Il y a le baquet. Bitoumbe alikuna. Bino vous allez koye la gâteau awa. Qui dirige finalement l'union sacrée? Qui dirige l'union sacrée? Nali kambou ya bureau définitif awa. Tomona makambou ya ndenge la ndenge. On demande sambo sombo so qui s'impose. On dit ça, Bahati, non, je veux que mon fils soit là. Peuple congolais, sincèrement, si j'étais à la place de Madame Touluka, j'allais démissionner avant même dans la salle. N'a déposé démission et pas président de la République. C'est parce que les Congolais, bah, ils ont s'attaché à la pouvoir. Culture à démissionner, à la caté. Comment on peut nommer une première ministre? Et tout ce qui est de deux mois. Tout ce qui est de deux mois, sans gouvernement, c'est ce soir, c'est pour ce soir. Et, bisous, tout, avec nos caméras, nous sommes fatigués. C'est quel comportement dans les chefs des Congolais et surtout les politiques qui dirigent ce pays? C'est déplorable. C'est déplorable. C'est vraiment déplorable. Qu'est-ce qui bloque aujourd'hui? Parce qu'on a déjà un bureau définitif.
Le gouvernement sera investi par l'Assemblée nationale. Présidium de l'Union sacrée. Le président de la République, après avoir prêté serment, a nommé un informateur. Celui-ci qui avait une mission, il y a qu'on s'informer, pour identifier la majorité, Augustin Kabouya avait fait un travail de tuton. Mokonzi Mboka a saigné du sousou, a y a qu'on m'a formateur. Ce qui est le lot, ma camoué, zo tardé boui. C'est que Augustin Kabouya a salaka et l'autre côté à Kosa Kabiso. Tolo babongo. C'est que à Kosa Kabiso. A sali moussala, il y a informateur, il y a formateur. Et aujourd'hui, gouvernement et bimikati. C'est pour ce soir. Vous allez toujours attaché à GECAM. On en a fatigué. Pourquoi pour l'intérêt, il y a quelques individus. Moi, quand je suis gouvernement, il faut la bloquer. Et, biso peuple. Tout ça, c'est pour ça qu'on a bilongi wana ya kalate. Excellence, Monsieur le Président de la République, na forum et à jeunesse, yo la kabiso ko rajeunir la classe politique. Comme ma bato asika, ba na mike, ba kota, ba gêne, pe dur. Ba na mike te me ba gêne. Bato bazan na makasa kousala. Et ça, ma kamo tomoni te na bureau définitif. Mboso aza ko s'impose aza la kakawana. Mboso aza la tile lo. Boka mwate, ça va encore se répéter dans le gouvernement. Oyo. C'est Baati qui cherche toujours à cause de la ministre. C'est toujours Baati. Bemba, on peut comprendre, il était en prison depuis qu'il était vice-président. Ayoko Zonga, Awa, a commis ministre. On peut comprendre. Mais ton ligne était parce qu'elle a anticipé ma limite. Naï. Biso peuple, elle a l'écarté. Tout comme Baati. Pourquoi vous montez des enchères? Nani a qu'on défendre Milan naï, devant le peuple. Plus tard. Mandat est sur la 50. Ah oui, il y a 4 ans. Élection s'est mise en décembre. Prestation et serment en janvier. Tous aucun des mois de juin. Donc, on a perdu tout ce temps ici pour une installation, une institution, pour une formation au gouvernement. Comme ça. Donc, dans ce pays, dans 2 mois, on ne peut pas résoudre un problème majeur. Dans 2 mois, dans 3 mois, ou soit dans 4 mois. Chaque pouvoir. Bata la kayango na 100 jours nango ya liboso. Ba pesi bino mandat, bato bakota la 100 jours. Au deuxième mandat ici, pendant les 100 jours, rien absolument. Point ya ceux qui louent boso qui entre kaba ya kamwanga na mbujimai yango na ekwekuna. Maître Papi Diosso, yo troisième intellectuel de kaba ya kamwanga. Moye batu ba longwa mbujimai ba kindi kabe ya kamwanga ezati quand je vous parle là. Kabe ya kamwanga est commis désenclavé. Il commis enclavé plutôt. Il commis enclavé. Nani akoya ko désenclavé anko. Popo wana ekwei. Kabe ya kamwanga est commis enclavé. Suis-toi quoi? Et les lots problèmes, elle a résolu. Il faut toujours un nouveau gouvernement. Et ça tombe bien dans le village natal, la chef de l'État. Vous faites des manœuvres pour rien. Nous avons des priorités dans ce pays.
Nous avons des priorités dans ces pays à ce qui concerne la sécurité, à ce qui concerne l'économie, à ce qui concerne l'énergie. Kopé Sabatou, l'otiliki. Makambo Ezali est belé. Réforme de l'armée. Makambo Ezali est belé la sécurité de nos frères qui souffrent à l'Est avec des bombardements et des cornets. Et quelques personnes, peut-être que vous avez bon côté, que vous avez bon côté, que vous avez poste. C'est grave. C'est grave. Bah on a la poste, biso to ko sala bongote, biso nga na ko zo bongote, nga na ko zo oh mais monsieur le président de la République Mokonzi ya Mboka, papa, vous devez jouer à l'arbitrage. Bat oh union surtout bazana union sacré bazana président mais union sacré, union sacré a lui fait privé. Biso to votaka bangote na union sacré, vota biso to voter président de la République. Vous devez jouer votre rôle. Kopona bato oyo moni ya ko travailler na bango, il ne faut pas concéder na caprice ya bato yo. Makambo tinda kabiso to ganga yango yo parce que ça énerve. Pokolo ba mobutu bali ko ganga sou boende une ça énerve. Ba qui était avec Kabila Kinga Kati. Ba géré mboka oyo ba qui était à l'économie. Akoye bisabiso atika ki dollar combien? Ba qui akoye bisabiso niveau ya tika ki mboka sur le plan économique. Si à quelque côté la Sénat. Il était avec Kabila. Samaloukonde était avec Kabila. À part Augustin Kabouy et Jean-Pierre Bemba. Le reste, Bazakina Kabila, Mbosso était avec Kabila. Pourquoi ces gens-là, Bazakina Kabila, ne vont pas monter en chair aujourd'hui? Bazali va privilégier un régime. Oui. On dirait qu'il n'y a pas d'autres personnes au Yobaza, Bazapé, Bokoki Kozoa. Kotia, n'est-ce pas Mbosso sous place na yé? Mbosso yé qu'on s'est retrouvé sous son bureau d'engeni. Ce sont des Kabilis, ce sont ces gens-là qui étaient avec Kabila hier. Bokoki Kozoa, Mboka, oh, te? Parce que Mbisso, na même politique, na même méthode. On en a marre de vous. On en a marre de vous. Peuple congolais, vous a toujours scotché ici. Parce que nous reviendrons avec des détails sur cette histoire du gouvernement. On en a marre. On en a marre de vous supporter. Mesdames et messieurs, ce genre de questions là, ma manœuvre à boyer, ils ont une ambition de modification, de changement de la constitution. Je fais qu'insister sur ça. Parce que mode oyo ya ko gérer mboka oyo constitution ça dit ko imposer biso et ali malamu te. Il faut balayer beaucoup de choses dans la constitution. Parce que c'est révoltant. Ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. C'est vraiment révoltant. C'est vraiment révoltant. Regardez seulement pour la tocha bureau définitif. To votage na décembre. Bah, il faut installer bureau définitif dans le cinquième mois. Il faut le temps pour le règlement d'ordre. Et le règlement d'ordre, il y a l'Assemblée nationale, et il faut modifier à chaque législature. On peut avoir un modèle. Il y a un règlement d'ordre. Ou soit, il y a un règlement d'ordre, bah, adapter dans la législature on a pour leurs intérêts. Il y a un député. Il y a un bureau, il y a Bali a ka bien, Baso a ka mbongo a République très bien. Ba échappé na makamu mousous. Ce qui président de la République manda na yé. Ils allaient limiter. Bon, il y a député, pourquoi pas ils allaient limiter. Le président de la République est censé respecter la constitution. Oh, il y a beaucoup tanda ko salim. Et pourquoi le règlement d'ordre de l'Assemblée nationale, ils ont changé chaque fois. Monsieur Jacques Ndioli. Yo muto ko maka règlement chaque fois à répondre biso to yeba parce qu'il y a des choses le lorsque pour gouvernement ezala il y a beaucoup de manœuvres manda ko to liboso Félix Tshisekedi ya kata boyete
Là, c'était Ilunga Ilunga. Tokenda soki inane. FCC cash. Il faut revoir les Kamouéba partis politiques. Plusieurs partis politiques. Tant qu'on s'en est sali force. Il faut qu'on occupe le gouvernement. Tout ça, c'est dans la Constitution. Mais j'avais suivi quelqu'un. Oh, le lobby a coca qui peut gérer Mbokate. Oh, le lobby a zaki na impasse. Et il a des dossiers. Na placard na yebele. Comme dossier ya Kamwina Sapu. C'est lui. Fausse commune de Maloukou. Toujours lui. Makambo ebele ezali kokole na nzoto, c'est Emmanuel Ramazani Shadari. Car il nous dit que la révision constitutionnelle, ce qui basali yango concerne la ba conséquence incalculable. Nous sommes en 2016. Joseph Kabila, il fallait accéder au pouvoir. Mon frère Chak, on a vu, c'est ce qui n'a pas aussi. En 2016, il se pose un problème. Bah, Luki, qu'on contourne Bissot pour nous dire que, bah, y'a qui n'a pas organisé l'élection, il faut bah, interpréter articles 74, 72, 73 et consorts. Tolongo kuna oh non, le quand l'élection est organisée, on peut aller à la, on peut aller au référendum selon Makanisi Oyo, Emmanuel Ramazani Shadari a pesi que constitution ba koki ko modifier yango, ba koki ko changer yango, bien sûr. Monsieur Emmanuel Ramazani Shadari, na yebi ke ozali mutu ya mayele na mboka na biso, c'est pas par hasard ozalaka gouverneur à l'époque. Compte il y a eu des pèses, ce n'est pas par hasard vous avez réélu député, ce n'est pas par hasard vous avez président de la commission dans l'Assemblée nationale, ce n'est pas par hasard oui, comme un VPM de l'intérieur, ce n'est pas par hasard bah y'a qu'on soit parti, le coup la paix perdue, bah PCO au géré, yango ou des fois, bah Ferdinand Kambere à l'okotaka bouteille, à Betty collègue na yéna moutou bah qu'il a étangé. Mais boni boni okotanga constitution te mubeko likunzi ya république. Boni boni okotanga ngote. Po yango moko na kati wana elobie. Soki bolingi bo modifie nga bo simbi awa. Soki bolingi bo changer nga bo simbi awa. Bokoki ko simba awa mekoto boko ko simba te, c'est dans la constitution. Et constitution, ce qui est le bakéza la conséquence incalculable. C'est pourquoi Bobo Yaki, tant que tu sais que tu as un peu de reste mémoire, ah, papa, tu es un peu de psychose, à l'obaka constitution est alima B. Constitution est alima B. Là, il y a un juriste, il y a un peu de peuple, il y a un peu de constitution est alima B. Constitution, il y a un peu de imposé, il y a un modèle impérialiste. Corrigé na Rwanda. Batu mwona liboma. Owa kolo wende nini. Vital Kamerhe Oyo. Lelo. Akolo be la séparation pouvoir à l'époque. Débat sur Radio Kapi. Dialogue inter-congolais. Débat sur Radio Kapi avec Monsieur Moubaki Valentin. Un débat à l'époque va qu'on défendre la constitution les loyaux ce sont ces gens là basali ko diriger ba institution mboka papa c'est ce que dit l'obaka makambo oy constitution a libéré bienté et puis bango ba qui très malin ba boya ka ko vulgariser constitution. Autant il s'appelle le bon moni ma kambo, oh, tu as so kende.
Kofote yangoyo. Ba boyaka. Et puis ba taille ba article msou sur mesure. Parce qu'à l'époque, Joseph Kabila Zaki na âge mouke, il fallait de 30 ans matapos à la présidente de la République. Emmanuel Ramazani n'a pas perdu. Peuple a qu'il y a un référendum, constitution et l'équi, si c'est que Yomou Lumba place à Zala qui y était, à l'obin à peuple, bon kende na élection te, bon empêche batoyou. Bato le baïna calcul mabé. Na 2011, avant les élections, peuple, parce qu'il faut le même abinona historique, parce que Matouloko la bachadar, il va vendre à devant les journalistes. Bazo posé bango mituna, bango na kaneti bango nde, ba hibi so amboka okolika. Et tiens, tu sais que tu as un malobi, bon, ça va, trop c'est trop. Toko ta na makambo. Ba comprendre que tu sais que Etienne. Azokota, na train élection en 2011, il faut élection, ça m'a détour. Bah, comme il m'a face à face, na Kabila Joseph, à ce moment-là, Kabila, quand il a la force, c'était sur terrain, tu sais que tu as un bétaillé. Débat contradictoire, qui se gagne Yoamou Lumba contre Joseph Kabila dans le deuxième tour, ba evita et loko wana chadari. Nous avons rappelé yo, bo evita et loko wana, bo kimambangu. Bo ke ko changer, bo ke ko modifier constitution, bo réviser constitution dans quelques articles. Parce que si vous avez bien la constitution, vous avez constitution de l'émis révisé. Malongo élection a des tours, bâché tour, manque, oh non, bon, vous pouvez vous cater. Mais oui, c'est ça qui va se passer aujourd'hui. Et puis les journalistes qui étaient devant vous, M. Chadari, étaient relativement intelligents à tout niveau. Question avec beaucoup d'intelligence. Et vous dites qu'il y aura beaucoup de conséquences. Quelles conséquences? Tant que vous avez révisé la constitution en 2011, avant les élections en décembre 2011, vous voyez que ma conséquence est incalculable. C'est aujourd'hui. Et la personne qui était devant pour réviser la constitution, pour changer la constitution, c'était toujours Emmanuel Ramazan Chadari. Monde scrutin ou pas. Aujourd'hui, c'est le même Chadari qui vient pour le mettre de la poudre aux yeux. Nakoye bi sabiso que te et que simbate y aura des conséquences incalculables. C'est faux, vous avez menti. Il y a beaucoup des histoires dans la constitution qui font enlever. Bo hypothèque kimboka. Binola Joseph Kabila tous ces temps ici. Mboka hypothéqué la constitution. Moyen bossa la makamususu et réalité. Et quand vous dites que le parlement est allé crédible, vous voulez quoi? Vous voulez que vous allez dans le parlement? Vous allez crédible? En 2006, l'UDPS a participé. En 2006, oui, l'UDPS a participé à l'élection. Moi qui s'arrête à quitter. Moi qui s'est raté quitté, moi qui d'acquis une élection là-bas, François, malé la soeur qui n'est pas fort, et les Kachala et d'autres gens, oh, vous fabriquez qui? Élection, c'est la même. Et ceux qui viennent vous accouter, c'est de votre droit le plus légitime. Oh, il s'agit bien ok, vous participez à l'élection, on ne peut pas vous en empêcher. Tout le monde qui a un nombre qui est de participer. Constitution est bandée dans le préambule Nango. Nous, peuple congolais. Et ça, il y a une individualité. Ce qui est lobby, ce peuple. Propre, ce qui est tokende, na référendum. Tokende référendum. Ce qui oui est gagné, est gagné. Ce qui non est gagné, est gagné. Ok, venir ici,
de mettre de la poudre aux yeux pour nous dire qu'il y aura des conséquences. C'est pourquoi tout le monde même, tout le monde peut perdre. Et ça n'a pas tout. Et ça n'a pas tout dans la rébellion. Et que vous dites, ça oh. Peuple congolais, vous avez la surprise. Ce qui est que même dans des partis politiques, ah, au point d'un coup d'État, on arrête les gens. On arrête les gens. Changement à la constitution. Et à l'Ikambouya, souveraineté à peuple. Changement à la constitution. Et à l'Ikambouya, chadarité, à Bandakoloba, n'importe quoi dans les médias, non. À Bandakoloba, n'importe quoi dans les médias. Nous avons beaucoup de problèmes aujourd'hui. La infiltration, les lois tant monite aux infiltrés dans ce pays. Et ça pour parce que départ, ils étaient là qui m'avaient avec Joseph Kabila en 2006. Là, on devrait vraiment avoir des meilleures institutions pour fabriquer n'importe quoi, pour qu'il y ait qu'on recrute n'importe qui à l'étranger. Pour me rabango awa. Et aujourd'hui, c'est que on n'a pas un parlement crédible. Laissez-nous vraiment tranquille. Donc, mesdames et messieurs, partagez nos liens, partagez nos émissions. GCAM Télévision, Mobutu de la Presse. Nous sommes là pour vous servir, pour vous donner des informations fiables, vérifiées et vérifiables. Peuple congolais, on voudrait vraiment clôturer avec la diplomatie. Dans le sujet où est la diplomatie, il y a beaucoup de choses. Si vous avez dit que Mundele a changé G, tellement que Fardese, Wazalendo, va attaquer M23, va attaquer Corneille Nanga, va attaquer le Rwandais au Bazali. Comme on dit ça, dans plusieurs fronts, va changer G. Maintenant, c'est à Beni qu'on commence maintenant à tuer. Et bon, état de siège, c'est là. Batouana Bazali wapi. Oh, banda ko fioto la minoko na bango. Bayali wapi. 10 morts devant mairie Yabeni. 10 morts se trouvent. Ce sont des Congolais, ce sont nos compatriotes. Au besoin mérité qu'on vive. Dengue Sengeli pour les amboka la bango. Yababomi bango, minimo la bango epe manakimia. Mais nous demandons toujours au gouvernement congolais, au service des renseignements, à l'armée, de commettre un moyen pour protéger nos concitoyens. Parce que trop, c'est trop. On a beaucoup tué. Dans tout ça, on a vite compris que les Tutsis, sur le plan diplomatique, bah, se réunir. C'est pourquoi je demande d'abord au gouvernement, Yakobimana na EAC. Kobimana EAC. Batande la gibiso piège. Batye accord ya libre-échange. Mais kotoyo. Ba imposer du son guerre. Pour ba yibike, toza na région moko toko bimate. C'est pourquoi force ya EAC et yaki awa et sali loko te. Parce que c'était de l'omerta. Et le ba, kouloutou nanga oya Camerounais, Charles Onana. Et le ba, monsieur Charles Onana. C'était de l'omerta de la communauté internationale. Parce que, bango moko ti ba yebaki, na landa ki kagame, jour RDC a zokotana EAC a le binin, je savais que la RDC a ko rejoindre Bissot. Et c'est là qui est singo na bango. Kokotana Bissot na EAC. C'était un piège pour nous. Et il faut chercher. Dengue toza ko longo la monisco lelo, ko longo pe na EAC. Bande qu'on a vu sur l'Est, comment on a un avantage parce que bango bazo dépendre à la mambo kawana.
Mais pas y'a pas que ma belle, ma vandi, ou ma vandeli. Ma étranger, ma ligne ba zongo. Parce qu'ils sont très riches. D'accord. Ba tout sous va continuer dans ma camo exploitation, y'a minéré, ceci, cela. Mais mon délai en a calcul ma belle. Ba pays vazenyo sona, ce sont des traîtres. Quand on a dit que tu as dit Braza, tu as Braza, ça que tu dois vraiment des explications. Tu as dit Braza pour faire la cour d'État. Et puis, tu as dit que tu qui dit que tu as dit que tu as Braza. Le pays voisin. Donc, sur le plan diplomatique, si tu as dit bien à propos de William Ruto, la réaction du président américain, les États-Unis azali ko imposé Kenya lokola lisunaye na région azali ko imposé. Et ce qui me fait mal dans cette histoire, la fois passée na bossa na ki komi tout na question pe ko tout na binou, comment William Ruto peut parler de la République démocratique du Congo nani a mandata ki ye? Il est qui dans la région? Ça, c'est notre pays, monsieur Ruto. Tu n'es qu'un pauvre président de ton pays. Comment tu peux te donner vraiment l'audace Yakolobela Congo à la place ya Bissoba Congolais? Bissoba de Fotoloba Congo. Et ça, qui forum international, si tu étais invité aux États-Unis par ton homologue, et tu oublies que Biden était asa homologue, nayo. Tu es allé là-bas, t'as génué. Mais rendez-vous au mois de novembre. Rendez-vous au mois de novembre. Parce que quelqu'un d'un binôme, oh, tango. Que M. Biden va continuer, ce n'est pas la même chose. Bah, Américain va dire sous Biden, t'es. Il n'a pas la capacité à gérer un grand pays comme les États-Unis. Il n'a pas la capacité. Bah, ça n'a pas posé à Donald Trump. Azong a le pouvoir. C'est là où ça sera compliqué. Pour vous, Batouti et peuple congolais, je vous rappelle, politique, il y a bah démocrate, avantage n'a Batouti, Barack Obama. Oh, l'actuel président Azalaki, vice-président et Obama, à l'époque. C'est la même politique qui continue. Si vous voulez coopérer avec nous, venez par la grande porte. Et la grande porte, c'est quoi? C'est Kinshasa. Pourquoi nous faire la guerre? Mais c'est le Tundula. Bon, convoquer ambassadeur Kenya. Aya Kopé Sabiso explication. Pourquoi le président Naya a dit qu'il la RDC à l'étranger? Aujourd'hui, il y a la Nini, il y a Rwanda. Donc, il y a alliance là-bas. Tellement que le coup d'État est simité, parce que le coup d'État est américain à Zalaki. L'Américain va expliquer comment un terroriste américain a se retrouvé dans un coup d'État à côté de parler de la nation. Na où tu connais Sabino Aou? Vous avez la surprise un jour vous qui vas au Canada tu n'as pas parti politique. Oh bah quand il monte parti politique, bah Kenaï, j'ai suivi Monsieur Moïse Katumbi. Azali Kosenga va libérer Gloria Senga. Gloria Senga, oh la sali mouvement na ye, tolembi, oh zali koko kanana, makambu, oh yo, ba terroriste yon a balingi, ba sala na mbuka ou. Ya coup d'état. Et Gloria coopère avec George Soros. Vous connaissez très bien Soros. C'est un multi-milliardaire américain, la famille Soros. Bah, oh, bah, simbi pouvoir, il y a John Biden. Et Moïse Katumbi, vous allez vous cacher derrière les multinationaux
vous allez vous cacher derrière le mouvement citoyen. Mais tout le monde, le mouvement citoyen, baza ba congolais, awa. Et alors, c'est multinational. Vous aurez des comptes à rendre. Ceux qui ont accédé à pouvoir. Ceux qui. Pour éviter ceux qui ont accédé à pouvoir. Ou alors, qu'on servir, bah, toi là, toi qu'on servir peuple. C'est grave. Peuple congolais derrière la Outia Oyebi Sabino, un sujet polonais, parce que Tokomi na souka émission, on a vu son mon frère Chako, me fait déjà signe, un sujet polonais condamné à mort. Condamné à mort pour l'espionnage dans notre pays et sabotage na biloko ya armée. Léo, on dit Léo. Léo, on dit Léo. Maintenant, Pologne a continué à soutenir Rwanda. Parce que cette condamnation, maintenant, ils ont pas la connexion à Pologne que ceux qui ont en autant, ils n'ont rien. Malgré base, il y a autant, ils ont en Pologne. C'est pourquoi on va dire qu'il y avait des infiltrés, des espions polonais. Et c'est pourquoi il y a même Mindele Balobi, oh non, levé un moratoire sur la condamnation des morts. Il y a les bientés. Comme le Mwanga Chuchu, des gens comme ça. Installaki bango. Awa. Donc, si on comprend très bien, la RDC, normalement, il faut revoir calcul naïe sur le plan diplomatique. Bah, tout si, bah, se réunir, bah, continuer la Maison Blanche pour leurs intérêts. Représenté par le Kenya, na lobaka yango, minere nyo surtout mwanga chuchu abanda ko yib, oyo nyo surtout abanda ko piye na rubay, ili kakana Kigali, porte de sortie d'Afrique, ezali na Kenya na Mombasa. Bazuya yango bachango na Masua et Kei Poto. C'est pourquoi au moni ba tuti bazoko kote la ndeko na bango Kagame. Donc, biso RDC, soit tu es dépendant à Brusque, pourquoi tu es à Brusque? Malheureusement, la Chine est beaucoup focalisée sur le plan économique. Bien qu'il y ait droit de veto dans les Nations Unies. La Russie, même. Il faut changer des calculs sur le plan diplomatique. Donc, voilà, mesdames et messieurs, Botika la Koyeba Kembo Kanabiso, Tozali Kobundisa Mamingi, nous devons vraiment soutenir le président de la République, Naba Efort, Azali Kosala. Et en plus, nous attendons le gouvernement Toulouka pour la Makamwebele, et ça l'a résolu. On va terminer avec le gouverneur de la ville province de Kinshasa. Kinshasa est allé Bosoto. Bosoto Mingi. Kinshasa est allé Bosoto Mingi. Il faut accélérer avec le travail. Et allé sonne pour la miroir, il y a République. Porte d'entrée, il y a Mboka. Et allé sonne. Penamao. Donc, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Merci pour la disponibilité, Nabino. Merci, Nabayenyo, surtout. Malanda Kibiso. La paix, Sibino, vraiment. Mote, Bisika. Vous allez se retrouver. Mon frère Trésor Kandolo. Pourquoi pas Passi Abraham. Mon frère Eric Toumba. Et les autres, Nabayenyo, surtout. Balanda Kabiso sur GCAM Télévision, Botika toujours scotché et Boyebaki. La RDC restera toujours notre dénominateur commun. Ce pays de Simon Kimbangu reste toujours branché sur GCAM Télévision. Merci.